Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Black Clover. Il y a eu du gameplay, il y a eu des invocations, on a eu pas mal de trucs. On peut pas y jouer parce que là, pour le moment, c'est que la version taïwanaise qui ont eu ce privilège de pouvoir y jouer en premier. Et on va directement analyser tout ça. Tout d'abord, on commence avec les invocations. Petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Tous mes réseaux sociaux sont disponibles dans la barre de description, comme vous le savez. Et on démarre directement la vidéo parce qu'elle va vous plaire. Là, on attaque les multis qui ont. Bon, je viens de voir 1 ou 2 minutes avant de commencer la vidéo. Ok. C'est spécial. C'est pas mauvais, hein. Mais vous allez voir. C'est vraiment pas mauvais, hein. C'est vraiment, mais vraiment, vraiment pas mauvais. Ok, bon, je pensais que je pouvais changer la qualité, mais non. Bon, ok. Ce qui est bien, c'est que le tuto, on a quoi? On a au total une dizaine de, voire quinzaine de minutes entre le gameplay. Enfin, entre le tuto jusqu'au invoque. Du coup, le reroll sera rapide. Et voilà à peu près ce que ça donne en termes d'invocation. Ça va, c'est bien travaillé. C'est bien travaillé. Il y a un système de compétences qu'on drop, je crois. Un délire de compétences et de personnages mélangés. Non, je crois que c'est des items. Ok. Ouais, c'est bien des items. Ça m'a l'air d'être des items ou des ressources pour upler les unités. Ok. Pour le moment, ça m'a l'air clean. Ah, lui, on l'a pas eu dans les gameplays durant cette année. Hein. Ok. Jack l'éventreur. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. On va aller voir d'autres vidéos de ce petit gars. Ok, il m'a l'air de poster pas mal de vidéos. C'est pas mal du tout. Ok, les amis, on a eu pas mal de nouveautés, pas mal de gameplay, pas mal d'invocations, comme vous l'avez vu là. J'ai dû faire une petite pause parce qu'on a eu du nouveau contenu. Ok. On va partir, les amis, sur mon profil qui va montrer du gameplay et bien sûr autre chose que du gameplay. Et on va aller voir cette vidéo qui est vraiment intéressante. Mais avant le gameplay, l'analyse. Au début, on était un peu réticent sur le gameplay où l'interface du gameplay était un petit peu trop gros par rapport à la taille des personnages, au chara-design, etc. Mais c'est compréhensible et on peut se dire que c'est normal parce que. Lors des animations, des attaques, des personnages, les compétences disparaissent. Vous allez voir par vous-même de qu'est-ce que je veux dire exactement. On va aller voir sur la chaîne parce que qualité réduite sur YouTube, sur Twitter, vous connaissez. Ça, c'est bon à savoir. Il y a un style de combo combiné et pas de compétences P. Enfin, de ce qu'on a là dans le gameplay, on a un système de combo, un enchaînement de combos continu entre les unités. Ça, c'est bon à savoir. Ah non. Ou peut-être que. Là, je découvre en même temps que vous, hein, parce que j'avais pas encore vu le gameplay, mais c'est un peu complexe comme gameplay.
Les voix sont présentes, on kiffe. Ok. On va aller voir les compétences. Il avait fait un petit truc rapidement. Ok, l'interface des personnages avec les compétences, le break limit, les équipements, etc. C'est pas mal, hein. Ils ont. Ok. C'est on prend. À qui nous donne la bêta, j'ai envie d'y jouer. J'ai réellement envie d'y jouer là. Ok, je pense on peut avancer. Ouais, il y a un... Ouais, c'est ce que je pensais. Il y avait un système d'équipement, un système de skin. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça, c'est les compétences. Les différentes compétences qu'on a vues dans les animations tout à l'heure. Ok, première bannière, Yami et Vengeance. Ok. Ok, pour le moment, il a pas partagé. Il a pas trop partagé de trucs. Bon, ça, c'est l'interface qu'on vient de voir. Du coup, on peut bouger. Ouais, ça, on avait vu. Et après, il y avait quoi d'autre? Le tuto, mais bon, on s'en fout. L'intro. Ça, on l'avait déjà vu, on avait déjà fait une analyse. Ouh, par contre, attends, ça là? Ça, c'est pas mal du tout, hein? Ça, c'est ce qu'on avait vu en fait dans le trailer qu'ils avaient posté lors de l'annonce du site, lors de l'ouverture du site, avec le premier empereur mage. C'est super bien présenté, hein. Pour un jeu mobile, c'est bien bien présenté de ouf, hein. Ils ont bien travaillé les émotions, la qualité, les graphismes. Là, c'est incroyable, vraiment. Je kiffe, hein. Le jeu va être une masterclass, hein. On avance parce qu'on connaît, on connaît, on connaît, on connaît, on connaît. Ouais, ça, après, c'est le trailer. Ok. Après, il y a eu quoi d'autre? En soi, on a tout vu. Ok, le gameplay m'a l'air vraiment pas mal. Réellement. Ok, on va partir sur la vidéo du gameplay des persos. Je crois que c'était. Non. C'est là? Non. Bon, on va juste aller ici. Même si la qualité l'est réduite. Ok, on est ici. Point positif, c'est qu'on a les voix. Si là, avec toutes les vidéos qu'on vient de voir et qu'il y a zéro bug, le jeu n'est pas prêt pour être sorti vers mars-avril, je vois pas.
Je vois pas comment c'est possible, hein. C'est vraiment pas mal. Le jeu il donne trop envie. J'ai envie d'y jouer. J'ai envie d'y jouer. J'ai envie d'y jouer. La bêta, les amis, on compte l'avoir d'ici demain soir, après demain matin, au cas où, au plus tard après demain matin. La bêta, elle démarre très dans les prochaines heures, dans les prochains jours à la limite, mais vraiment, on est très très proche de la bêta fermée. On espère qu'on soit choisi. Et voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça me fera énormément plaisir. Je vous dis ciao et à la prochaine. Peace!